Salut à tous, moi c'est Guillaume de la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, vous l'avez reconnu certainement parmi vous, j'en suis sûr. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui viennent de cette école. On est devant l'ENSTIB, donc l'École Nationale Supérieure Technologique des Industries du Bois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit événement particulier, à savoir les défis du bois. Alors l'ENSTIB, elle se situe où? Elle se situe à Épinal, et Épinal qui est située dans les Vosges. Donc l'ENSTIB qui forme la plupart des ingénieurs dans les domaines du bois essentiellement. Un petit passage, un petit coucou à tous les ingénieurs que je connais. Vous l'aurez compris, je suis passé dans cette école il y a 7 ans environ, donc je passe un petit bonjour à tout le monde, également aux enseignants que j'ai eus. En quelques mots, les défis du bois, c'est quoi? Les défis du bois, c'est 10 équipes composées de 2 ingénieurs, 2 architectes et un compagnon qui vont construire un projet pendant une semaine. Alors ça se passe le jour, ça se passe la nuit. Une semaine pour finaliser le projet et ensuite il y a un concours, donc c'est à celui qui aura le projet le plus abouti. C'est intéressant tant dans la technique mise en œuvre que par le design et la recherche qui est associé. C'est pour ça que on va essayer de faire des interviews, on va voir un petit peu à l'intérieur et à l'extérieur puisque ça se passe en 2 parties. Aujourd'hui on est samedi, donc on devrait déjà être bien abouti dans les projets. Et oui, j'ai eu la chance de croiser la Pasco l'Orchestra, qui est la fanfare de l'ENSTIB. Merci à eux, je vous propose leurs morceaux tout au long de cette vidéo. Je les identifie, n'hésitez pas à aller voir leur page, ce qu'ils font. Je mets tout ça en lien, en description. Alors j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos des prochaines sorties. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'on a un invité tout particulier puisqu'il s'agit de Laurent Béron, le directeur de l'ENSTIB qui est interviewé dans cette fin de vidéo. Thank you.
On se retrouve avec Aline, qui est donc responsable presse de son projet. Est-ce que tu peux te présenter peut-être et nous dire un petit peu le projet, comment tu le vois à l'heure actuelle aujourd'hui? Donc, je m'appelle Aline, je suis architecte de formation. Donc j'ai intégré l'ENSTIB moi dans une démarche de reprise d'études en fait après avoir exercé quelques années. Je fais partie pour les défis du bois de l'équipe La Ruche, de l'équipe du projet La Ruche. Donc je suis accompagnée d'un compagnon bâtisseur charpentier, un ingénieur bois, une ingénieure génie civil et un second architecte. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment le déroulé type du projet, étape par étape peut-être? Oui, donc c'est le projet, on l'a initié au mois de janvier. Donc le début, c'était vraiment une phase de conception. Donc on a hérité, si on peut dire, d'un projet qui avait déjà été conçu l'année dernière par l'équipe précédente qui n'avait pas pu mener la réalisation à son terme. Donc on nous a proposé de reprendre la continuité du projet avec le même concept qui était celui d'un dôme géodésique composé d'un assemblage d'alvéoles, et donc ces alvéoles faisant référence à une ruche. Donc nous, notre première démarche au mois de janvier-février, ça a été à l'école ensemble de simplifier, chercher à rationaliser, optimiser cette structure qui était beaucoup plus complexe au départ. Et puis ensuite, en fin février, la formation à l'ENSTIB a pris fin et on est parti chacun en stage de notre côté, un petit peu partout en France. Et donc on a continué en visio de façon hebdomadaire à affiner notre conception, à quantifier nos matériaux, préparer nos commandes de vis, nos plans de débit également. Et jusqu'à se retrouver ce début de semaine dans la halle de l'école pour construire pendant un peu plus d'une semaine. Ok, donc si je comprends bien, ouais. Une semaine et le projet doit être abouti au bout d'une semaine. Voilà, c'est vraiment ça le défi, c'est construire le projet dans toute son ampleur en un temps qui est quand même assez contraint. Donc on a des bonnes journées avec une amplitude horaire assez large de 8h à 22h et voilà, peu de pause, et l'objectif c'est d'arriver à terminer dans les temps. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec une équipe qui n'a peut-être pas le même regard ou en tout cas pas la même vision? Est-ce que tu le prends en positif, en constructif? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? C'est très positif parce qu'on est très complémentaires, en fait, dans un projet complexe comme celui-ci, qui est à la fois à petite échelle, mais qui concentre tout un ensemble de détails qu'on va retrouver dans une construction grandeur nature, dans de sa surbois. Le fait d'associer les compétences d'un ingénieur bois, donc avec ses connaissances sur le matériau, sur le dimensionnement de structure, vraiment sur le comportement mécanique de l'objet, d'associer ça avec le regard d'un charpentier qui va avoir un esprit plus pratique, plus de terrain, qui va nous aider à fluidifier la mise en œuvre. Et puis la partie aussi conceptuelle, partie prix, vraiment le choix de soit formel et esthétique et aussi technique, puisque apporté par les architectes, parce qu'on on a la particularité d'être des architectes qui cherchent à se former au génie civil. C'est l'enjeu de notre présence ici, donc on cherche aussi à sortir de notre zone habituelle de confort, de concepteur qui va peut-être s'arrêter à des plans sans passer le déclic, le pas de la mise en œuvre. Et là, on est vraiment associé, incité à se poser toutes les questions des étapes de réalisation, de la praticité des choses qu'on aura pensées. D'accord. Ouais, donc on peut dire que là, c'est miniature, mais cependant,
ça reflète pas mal tous les problèmes que vous allez rencontrer plus tard. Ouais. Et vous avez peut-être une ouverture d'esprit avec ce projet-là. Oui, c'est ça, c'est un échantillon où à petite échelle, on apprend à régler ensemble des jonctions, des détails, des points techniques qui posent problème. Et qu'on va pouvoir, moi j'imagine, dans ma pratique future d'architecte, c'est des choses que je vais retrouver dans le dialogue avec un bureau d'études structure, par exemple. Je vais peut-être mieux les comprendre. Voilà, ouais. Ok. Concernant toi, tes envies personnelles, pourquoi tu as voulu participer à ce projet-là? Bon, ça faisait partie intégrante de la formation. Ouais. Quand je me suis lancée dans cette reprise d'études, je savais qu'il y avait à la fois la partie théorique, avec voilà, tout le contenu de formation à l'école, la partie immersion professionnelle avec le stage, et une partie pratique et coopération, esprit d'équipe avec les défis du bois. Donc c'est un peu le tout qui me semblait bien complémentaire. Et je pense que ce temps-là, il est indispensable pour que la formation soit vraiment complète. D'accord. Bon, là, je vous montre actuellement les images de l'élément que j'ai pu tourner. Quels sont peut-être les points techniques qui vous ont peut-être posé problème pendant cette semaine ou peut-être avant en conception? Nous, comme on peut voir, c'est une structure qui est courbe. Donc déjà, il a fallu trouver dans la courbe une forme de rationalité, de répétition, de motifs similaires. Donc on a beaucoup travaillé sur la géométrie pour retrouver, pour avoir une planéité dans chaque module d'alvéole, avoir des pièces répétitives pour fluidifier la préfabrication, fluidifier le débit. Pour simplifier aussi. Donc ouais. Ça a été un gros travail de nomenclature, tout numéroté, pour tout assembler dans des gabarits et puis pour pouvoir assembler le puzzle plus facilement. Et donc une des petites subtilités, c'est qu'on s'est donné un jeu entre chaque module, on s'est donné un jeu d'un centimètre qui est absorbé par un joint en caoutchouc et qui nous permet, après sur site au montage, de jouer un peu sur les angles pour pouvoir refermer la tontille. Un petit peu voilà. Comme un compribande peut-être, ce genre de voilà. Joint-là. C'est ce principe-là. L'autre gros enjeu, ça a été d'optimiser la matière puisqu'on a un stock de matériaux limité et commun à toutes les équipes, donc il a fallu calculer de manière très précise, très optimale, très précise, parce que chaque plan compte. Et on a réduit aussi la géométrie pour avoir, donc la contrainte c'était d'avoir 15 mètres carrés de plancher au sol, et donc respecter ce cahier des charges-là en utilisant le moins de matière possible. D'accord. On voit que c'est un gros ouvrage, il est à l'intérieur pour l'instant. Ouais. Comment vous allez sortir? Comment vous allez vous y prendre? Ouais. Alors en fait, il est découpé en 4 modules. Donc le plancher qu'on voit là, il est rayonnant, donc il va se séparer en 3 parties, 3 camemberts, voilà. Et il est solidaire de portions de mur, elle aussi, donc ça va être des sortes de coques, plancher, mur. Qu'on va transporter à l'extérieur et réassembler. Et ensuite, il y a un module coupole qui vient refermer, faire le chapeau. D'accord. Le donc là, en fait, on le voit monter. Ouais. Il va être totalement démonté, enlevé et réassemblé à l'extérieur. Parce que c'était un des enjeux de ces défis du bois, c'était de préfabriquer au maximum et sur site, d'avoir plus qu'à boulonner, plus qu'à réunir les éléments, mais que tout soit liaisonné. Très percé, très boulonné en atelier. D'accord. Là, on est sur des motifs hexagones, c'est ça? Hexagone, pentagone, il y a un motif. Ouais. D'accord. Parce que je ne sais pas si on arrivera à se rendre compte à la caméra, est-ce que tous les blocs sont identiques? Tous les caissons? Oui. Non, on a trois familles d'alvéoles, donc d'où l'importance de la nomenclature et aussi tous nos jeux de pieds. En fait, c'est différent. Une espèce de couronne dentelée qui nous fait notre fondation. Qui sont toutes différentes aussi. Et on a aussi pour le perron, parce que là on va installer une menuiserie, une porte-fenêtre. Et donc là, il fallait interrompre cette nappe d'alvéole. Ouais. Donc on va avoir ici tout un encadrement, une couronne, un encadrement ouais. d'alvéoles qui sont elles aussi très singulières, qui sont retaillées à moitié ou à un tiers pour venir faire la fermeture. D'accord.
Et concernant l'étanchéité, est-ce qu'il y a quelque chose qui va revenir par-dessus ou... Oui, donc ce qu'on voit là, c'est le contreventement avec le volisage. Et on va avoir des écailles en lames de mélèze qui vont être à recouvrement. Un petit peu comme du tabaillon. Ça va être des alvéoles avec des lames de bardage verticales, okay, qui vont se recouvrir se chevaucher. Voilà. Okay. Pour faire la jonction entre chaque alvéole, on va avoir des couvre-joints extérieurs qui ont un profilé en V, si on veut, pour recouvrir d'une alvéole à l'autre. Voilà. Donc, c'était aussi la complexité de rendre étanche une forme sphérique avec pour unique matériau le bois, puisqu'il n'était pas question d'avoir autre chose que du bois. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, merci Aline pour ce temps d'interview si précieux, parce que vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, il le reste encore beaucoup. Là, je suis en train de voir qu'ils assemblent le dernier, ouais, au-dessus. C'est un oculus. Il y a une lumière zénithale en fait. D'accord. Un petit peu comme un puits de lumière en plein milieu. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, je vous montrerai des images de l'élément fini. Merci en tout cas Aline. Merci à l'équipe d'avoir consacré du temps. Merci encore. Bon courage à toi. Merci. Et puis on te souhaite bonne chance. Merci. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Regardez, j'ai la chance d'avoir le directeur de l'Enstib. Je te laisse te présenter. C'est un grand honneur pour moi de t'interviewer sur ma chaîne. Je te laisse présenter un petit peu ton rôle et bien sûr l'Enstib. Bonjour, donc moi c'est Laurent Bléron, donc je suis un ancien de cette école aussi. Puis je suis devenu directeur en 2017. Donc là, on est sur le site des Défis du Bois, donc qui est une manifestation qui permet de réunir des architectes, des compagnons du devoir et puis des élèves ingénieurs. Et donc ils ont une semaine pour réaliser 10 micro-architectures comme celle qui est en train de se monter juste derrière nous. Et puis voilà, donc ils ont commencé à réfléchir sur leur structure depuis le mois de janvier jusqu'à mi-février. Donc pendant un mois et demi, ils ont fait tout ce qui est conception, dessin, calcul, dimensionnement. Et puis là, on est vraiment dans la semaine de réalisation depuis le début de cette semaine. Ils ont attaqué lundi soir jusqu'à mardi matin, sachant que voilà, là, je pense que les nuits vont être courtes maintenant jusqu'à lundi. Est-ce que tu peux nous dire peut-être d'où ça part, les Défis du Bois ? Donc les Défis, en fait, ils sont nés il y a 16 ans. L'idée, c'était de faire une épreuve pour les étudiants du master architecture bois construction, qui étaient déjà des étudiants ingénieurs et architectes. Donc l'idée, ça a été de leur donner une unité de lieu, de temps, d'espace. Donc ils avaient tous 1 mètre cube de bois, ils avaient un sujet architectural, et en une semaine, il fallait qu'ils réalisent, avec du portatif, globalement, une structure qui était assez artistique. Donc on a fait ça au début au centre des congrès, après ça a été dans Épinal, à la carrière Collot, au bord de la Moselle, au cours. Et puis maintenant, depuis 6 ans, on a changé le concept, on a mis les compagnons du devoir, et là maintenant on fait des structures qui sont pérennes. Donc il y a un client aujourd'hui, c'est les Francas des Vosges pour cette année. Donc là, les structures, elles vont servir pour des colonies de vacances, pour héberger entre 3 et 6 enfants des Francas. Et donc voilà, maintenant c'est un petit peu plus technique, là il y a de l'isolation, des fois il y a des années il y a même eu de l'électricité au sein des structures. Donc c'est pour ça que maintenant on est dans l'école, parce qu'on est obligé de profiter du parc machine, on ne peut plus faire ça uniquement avec du portatif. Alors vous le savez très certainement, je viens de cette école, donc je suis passé il y a à peu près 7 ans. Là j'ai vu beaucoup de changements pour moi, est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi la modernisation Je dirais qu'une école, c'est comme une entreprise. Si on n'investit pas régulièrement, on n'est plus à la page. Et puis nous, on se doit que les étudiants travaillent sur du matériel qui est aujourd'hui utilisé dans les entreprises. Donc moi, quand j'ai pris la direction de l'école, j'ai choisi de mettre un petit peu le curseur sur tout ce qui est chimie du bois et puis robotique. Et puis il y avait besoin d'investir au niveau de l'école. Donc c'est vrai qu'on a refait toute la halle de technologie. On a changé quasiment tout le parc machine, puisqu'on a réussi à avoir du financement européen et autres, des aides des collectivités. Donc voilà, donc là il y a eu 3 millions d'investis, et oui, ça se voit un petit peu, mais c'était nécessaire. Bon, je vous verrai tout ça tout à l'heure en images. Quelles sont les formations à l'Enstib à l'heure actuelle ? Alors à l'Enstib, on rentre après un bac plus 2. Donc là, on a des étudiants qui vont rester une seule année pour faire une année de licence, la licence 3. Donc là, il y a 2 formations, on va dire, une en ameublement, une en construction bois, avec soit conduite de travaux au bureau d'études. On a des gens qui vont rester aussi 3 ans, qui vont suivre le cursus ingénieur,
Voilà. Et puis on a des gens qui vont arriver en ayant déjà en poche un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecture ou qui sont en dernière année d'école d'ingé ou d'archi. Et là, ils vont faire le master architecture bois construction. Puis on a aussi des doctorats, on a entre 30 et 40 doctorants à l'école. Donc voilà, on forme du bac plus 3, on va dire, au bac plus 8. Et ça fait à peu près 400 étudiants présents sur le site. Bon, eh ben, je te remercie Laurent, très fort, pour l'interview. Quels sont peut-être tes mots de ta fin pour les candidats, peut-être Je dirais que voilà, il y a de la place dans la filière bois à tout niveau d'études. Globalement, la filière est quand même en plein essor. On voit bien que ça se développe. Vous prenez les JO 2024, le village olympique qui va être en bois. Vous voyez que tous les promoteurs, les majors de la construction se mettent à faire du bois. Donc, et puis il y aura tout ce qui va être développement aussi au niveau de la chimie, décarboner l'industrie. Donc je pense que voilà, il y a de la place, il y a des belles carrières à faire dans l'industrie du bois, il y a de quoi se faire plaisir. Alors certes, c'est peut-être un secteur avec uniquement des PME, c'est notre tissu d'entreprise qui est comme ça, mais voilà, il y a moyen de faire de très belles carrières et de s'amuser dans son travail dans la filière bois. Bon voilà, je vous montre tout de suite les images des différents projets qu'il y a en cours de réalisation à l'intérieur et à l'extérieur où on est. Vous voyez que derrière, notamment, ils sont en cours de montage d'un module. Et je te remercie en attendant pour cette interview. Merci, au revoir. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je tenais encore à remercier Laurent Bléron, donc directeur de l'Enstib, Aline de l'équipe La Ruche et toute son équipe pour avoir pris le temps de cette interview. Sans oublier la Pascoal Orchestra qui nous a guidés au son de sa symphonie tout au long de cette vidéo. Bien sûr aussi également Antoine, sans qui vous ne pouvez pas voir actuellement les vidéos filles des ouvrages puisque c'était mardi et je n'ai pas pu être présent sur le site. Pour voir les résultats, je vous invite à aller voir le compte Instagram Ensi Communication ou directement le site Défi du Bois 3.0 que je vous mets en description. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, laissez vos commentaires si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Graines de Copeaux.